Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Tempo Afrique TV. Je suis Moussa Jawara, votre présentateur de Retrospective de la semaine. Dans mon studio aujourd'hui, je suis avec M. Yves Kenao. Bienvenue, Yves. Merci. Yves, tant qu'expert, va m'aider à parler des actualités brûlantes de la semaine. De l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale, en passant par l'Afrique du Sud. Nous allons aussi parler des brèves de l'Afrique de la France, de l'Europe et du Moyen-Orient. Encore une fois de plus, bienvenue sur notre plateau uh, de retro Perspective. Um, actualité oblige. En Afrique de l'Ouest, nous avons les élections uh, en Côte d'Ivoire. Um, les élections qui um, seront bien organisées cette, cette fois-ci. Nous l'espérons très bien. Uh, Alassane Draman Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, um, Candidat à sa propre succession est prête à organiser des élections, mais avec des opposants farouches euh, de la FPI, euh, des opposants comme Afin Gessan qui sont prêts à rassembler le maximum de candidats à leur niveau pour pouvoir euh, renverser la tendance. Et, euh, Monsieur Yves, que pensez-vous de cette élection voilà, eh, Moussa, merci pour l'invitation sur ce plateau. Merci. Eh, merci beaucoup de, de chance pour l'émission eh, Retro Perspective de la semaine, de l'actualité de la semaine. Merci, merci. Eh, pour euh, les élections de la euh, Côte d'Ivoire, je dirais que eh, j'avais une certaine inquiétude, mais à, à voir la manière dont les élections sont organisées, à voir l'organisation de ces élections, je me dis que le pouvoir en place et les autorités, j'allais dire les autorités italiennes, ont mis le paquet pour que ces élections soient bien organisées pour répondre aux attentes de la population. Vous n'êtes pas sans savoir que les précédentes élections passées n'étaient pas aussi bien organisées que celles-là. Mais aujourd'hui, je vous dis que moi-même, je ne donnerai pas du crédit à la réussite de ces élections. Mais à voir de près ce qui se passe, je pense que les Ivoiriens sont, sont, sont prêts et ils auront des élections beaucoup plus transparentes, beaucoup plus libres et beaucoup plus sereines que les précédentes. Euh, bon, en ce qui concerne les, les candidatures, je sais que euh, ça ne sera pas facile. Pas du tout. Pas du tout. Mais M. Ouattara doit vraiment travailler, battre campagne fort, parce que afin que ça n'ait pas, le, pas né de la dernière pluie. Donc, c'est un vieux de la vieille des choses de la politique et, ivoirienne et de la politique africaine. Donc, euh, et, il, sait, il sait comment rassembler ces éléments et, pour euh, le grand jour. Donc, euh, je pense que ça sera une fierté de toute l'Afrique de voir comment les, les, les Ivoiriens, après tout ce qu'ils ont traversé, vont organiser des élections paisibles, transparentes. Et puis, ça sera une fierté pour nous, merci, la, merci, pour merci. nos diasporas. À finir, de... ça, il n'est pas le euh, seul candidat. Euh, J'ai mentionné son nom parce que le FPI était euh, le parti de Laurent Gbagbo, oui. euh, l'ancien euh, chef d'État, euh, présentement à la Haye. Voilà. Mais il y a aussi euh, Charles coran Bani, qui euh, de la CDAO, aussi qui est candidat. Donc euh, les élections je pense que vous l'avez dit très bien dit nous espérons que ces élections se passent dans la grande transparence dans le calme et des élections très bien organisées, parce que nous en avons besoin. Voilà, et euh, surtout ce pays qui a traversé beaucoup de choses en a besoin, euh, il... pour euh, euh, consoler les uns et les autres. Je suis absolument d'accord avec toi. Comme voilà. nous parlons de, dans les chapitres des élections, nous allons euh, aller de l'autre côté, qui est le Burkina Faso. Oui. Le Burkina Faso, où encore il y a les chefs d'État, Blaise Compaori, après 27 ans de pouvoir, qui a été euh, renversé d'une manière vraiment... Uh, brit, uh, brutal, si je peux le dire ainsi. Uh, maintenant, il y a les, un nouveau président qui a été désigné uh, président de transition. Son nom c'est Michael Kufando, qui est un fin connaisseur de la politique en uh, Ouest africaine. Ouais. Et, uh, il promet d'organiser de, uh, des élections um, libres, transparentes, et qu'il uh, lui, il, il, il va pas se représenter. Donc, uh, que pensez-vous de cela aussi? Voilà, euh, tu sais, je, je suis très heureux d'entendre qu'il a dit eh, qu'il ne se présentera pas aux élections. Mais comme les Africains disent une chose et font une autre, eh, j'attends le jour des de élections pour voir réellement s'il a tenu à sa parole. Mais déjà, ce qu'il est en train de faire comme travail eh, est énorme, eh, est passionnant, énorme, et me montre que eh, c'est un homme eh, digne, eh, c'est un homme intègre, intègre. Et qui vient du pays, des, des hommes, hommes intègres, intègres effectivement. voilà. Donc euh, s'il peut maintenir sa parole, ça serait un exemple. Je ne voudrais pas que, qu'à la fin, que le balayeur soit balayé comme euh, le cas de Guy, donc qu'il fasse, eh, qu'il organise les élections et qu'il laisse le pouvoir aux gagnant. Et ça sera d'abord eh, un crédit eh, pour lui eh, et puis il servira d'exemple. Pour toute l'Afrique et il passera de pays en pays pour donner l'exemple et montrer comment le peuple burkhave a réussi à faire ce que beaucoup, beaucoup d'autres pays africains n'ont pas réussi à faire. Nous l'espérons très bien, nous le serons très bien et l'Afrique en a vraiment besoin. Nous avons besoin des élections très bien apaisées, nous avons besoin des élections bien organisées. Je pense que le temps des coups d'État est vraiment révolu là où nous sommes présentement. Donc, entendre des présidents présentement dire que bon, je suis là pour la transition et après la transition je vais m'en aller, pourvu qu'on puisse organiser des élections très bien et transparentes. Je pense que c'est quelque chose de très encourageant. Voilà, je pense que c'est ça qui a manqué eh, à une certaine génération eh, qui, qui a pensé que c'est en s'éternisant au pouvoir qu'on peut servir à son pays. Non, il y a plusieurs manières de servir à son pays. Absolument. Eh, si vous venez, vous faites votre temps, vous faites votre service et vous, vous partez, vous avez servi à votre pays. Et c'est ça que je pense que euh, si ce président euh, de la transition au niveau du Burkina Faso peut organiser les élections, libres, transparentes et paisibles, surtout paisibles. Et c'est ici l'occasion pour moi aussi d'appeler tous les acteurs politiques, tous les acteurs politiques, d'avoir un langage d'apaisement, un langage d'amour. Et non, un langage de, de division, de haine, de, de violence. Vous savez, eh, quand les esprits sont surchauffés, le petit mot peut changer tout. Ça peut donc beaucoup contribuer. Voilà, je demanderai à tous les acteurs, quel que soit leur bord, de faire un effort pour tenir un langage d'apaisement. Parce que je pense que durant les campagnes, s'il y a un langage d'apaisement, il y a des discours d'apaisement, les esprits ne seront pas trop surchauffés. Et les résultats seront plus ou moins acceptés d'une manière, si je dirais, de fair play. Fair play, voilà. effectivement. Ça, je suis très, merci, merci, merci pour ton expertise. Euh, du Burkina Faso, on va faire une escale au Mali, au Mali où euh, le, le gouvernement malien a, a de sérieux problèmes avec euh, le nord du Mali. Euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des pourparlers intermaliens en Algérie. L'Algérie est le médiateur dans le conflit du Mali. Et maintenant, il s'est trouvé qu'il y a beaucoup de, de groupes armés au nord du Mali qui se sont mis à table avec le gouvernement malien pour en fait discuter des problèmes du nord et essayer de paraffer, et, et, et paraffer quelque chose de, euh, comme accord. Et la partie de l'accord a été signée par un groupe, mais il y a un autre groupe. Où la partie n'a pas encore été signée. Et on espérait que cette semaine, euh, ils allaient parafaiter euh, cet, euh, cet accord afin que le Mali puisse vraiment retrouver sa sérénité, afin que la sécurité puisse revenir au nord du Mali. Mais bon, la date a été encore une fois repoussée parce qu'on avait une fois, par, une, un premier temps, parlé du 15. Et maintenant, au lieu que ce soit le 15, je pense qu'ils l'ont repoussé encore au 20. Mais. Euh, en tant qu'expert, que pensez-vous de ces paraffits Est-ce que tu penses que ce sera possible d'avoir un accord Et cet accord, est-ce que tout le monde pourra adhérer à cet accord Voilà, euh, je suis très content euh, d'abord d'apprendre que les, les parties en, en conflit se, se sont mis d'accord oui. pour euh, quand même discuter. Vous savez, euh, quand il y a une volonté, il y a la volonté de discussion déjà, c'est un début de résolution du problème. C'est vous dire que s'ils sont arrivés à ce niveau, ça veut dire que s'ils sont arrivés à ce niveau eh, à discuter, c'est que eh, je vous dis qu'il y aura un accord. Ok. Bon. Mais seulement c'est le. Vous savez, nous sommes tous pressés de voir cet accord là. Nous sommes tous pressés de voir cet accord. Je vous dis sur ce plateau qu'il y aura un accord et le peuple malien va se réunir. In il n'y aura long... pas. Il y aura pas un nord Mali un quelconque Mali. Il y aura un Mali. Inchà parce que, que, je pense que euh, c'est le souhait de tous voilà, les Maliens. Parce que, si vous voyez, s'il y a deux groupes, s'il y a un groupe qui s'est mis d'accord avec le gouvernement, qu'il y a un groupe qui s'est mis d'accord avec le gouvernement, ça veut dire que probablement c'est un petit qui reste à négocier. C'est peut-être qu'un point. Et que, avec le temps, le temps va diluer, les, va apaiser les cœurs. Et je vous dis que peut-être, à la fin de ce mois d'avril, on aura on aura une suite. Monsieur Siv, donc euh, du Mali, on va aller euh, en Afrique, euh, du, on va aller au Sénégal. Oui. Euh, au Sénégal où il y a eu le procès, euh, le procès de euh, Karim Wade, le, le, fils le fils de Ouad, Wade, l'ex-président. Mais tout récemment, il y a uh, un des membres du gouvernement Abdullah Wade, un des Ada Jung, uh, qui a été condamné à 10 ans de prison. 10 ans de prison pour détournement de fonds, mm -hmm. et, euh, alors que Karim Mouad aurait reçu 6 ans de prison. Et ce que je ne comprends pas dans cette affaire de, de justice est que, euh, d'après les informations, Karim Mouad aurait détourné des milliards et des milliards. Il a eu 6 ans de prison. Et la dame, elle a détourné des milliards, mais pas euh, des 200, par 200 ou bien par centaines, mais elle a eu 10 ans de prison. Que penses-tu de cette justice. Est-ce que la justice sénégalaise a, a mal fonctionné Ou bien, qu'est-ce que, qu qui s'est-il arrivé Qu'est-ce que tu penses de cela Voilà, euh, vous savez, en tant que juriste, je vous dis que euh, c'est une histoire d'avocat de, 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 de défense. C'est une histoire de défense. Okay. Vous savez, euh, plus vous avez les moyens oui. financiers, mm -hmm. plus vous avez de bons avocats. Il se peut... Je n'ai pas suivi le déroulement total du, du procès. Oui. Il se peut que Karim Ouad, le fils de l'ancien président euh, sénégalais, a eu le privilège et la chance d'avoir de meilleurs avocats oui. que l'autre euh, dame. Et c'est ce qui a fait que la défense a joué son rôle et a réduit les peines. Bon, je ne dirais pas que c'est une injustice dans la justice, mais euh, disons que c'est juste question d'avocats. Hein, de défense. Vous avez de l'argent, vous avez de bons avocats, et quand vous avez de bons avocats, les avocats eh, défendent bien le dossier. Eh, Peut-être que c'est ce qui est arrivé. Je ne connais pas, eh, je n'ai pas suivi le procès du bout en bout, mais je vous dis que généralement, généralement. quelqu'un qui a un bon avocat gagne le procès ou la peine est réduite, considérablement réduite. Peut-être que c'est ce qui est arrivé. Mais déjà, il faut, il faut remarquer que la justice sénégalaise a fait un effort, un pas géant. C'est l'une des premières en Afrique qui a réussi à juger des membres du gouvernement et d'une manière impartiale, avec toutes les procédures de, de, de justice. La défense, le, le, la partie civile, Civil. le, 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 le représentant de l'État, tout, oui. tout a été joué et à la fin, il y a eu un verdict. Les autres, là, on commence, mais on ne finit jamais, on ne connaît jamais. Mais le Sénégal, je vous dis qu'en Afrique de l'Ouest, que je connais bien, oui, oui. le Sénégal est un modèle de choses, de démocratie. Je, dirais, je vais vous rejoindre pour dire que je suis entièrement d'accord avec vous euh, sur ce que vous avez dit. Peut-être que ce que vous avez dit est pertinent. Je ne l'avais pas vu de ce, de ce côté parce que. Euh, ce que j'avais vu est que l'ex président Aboulaye Ouad, son fils a coupé de six ans de prison après le détournement des détournements de milliards mm -hmm. et il y a un autre membre du gouvernement qui a coupé de dix ans de prison à plus de milliards qui a été qui a été emprisonné pour dix ans de prison mais il y a toujours une très bonne nouvelle qui vient du côté de la côte du, du, du Sénégal parce que le nombre de femmes parlementaires au Sénégal en fait du Sénégal au septième rang mondial, c'est pour dire que vraiment les femmes sont vraiment maintenant inclusives, qui sont sont vraiment vraiment motivées, qui sont vraiment dans le gouvernement, sont, font par, font peu partie des prises de décisions. Et c'est qui est qu y a quelque chose que, que, qui manque beaucoup aux États africains. Les femmes sont investies dans la politique, mais le nombre de femmes est relativement très moins nombreuse par rapport aux hommes. Et que penses-tu de ces progrès? Être au septième Septième plan sur le plan mondial. Je pense que là, c'est un progrès. Mais vous savez, je viens de vous dire que en Afrique occidentale, on peut dire que le, le Sénégal est un modèle eh, de démocratie. C'est pas par hasard que je disais cela, parce qu'il y a, eh, comme l'anglais dit, j'ai beaucoup de choses pour backup, eh, oui. eh, pour soutenir oui. ce que oui. je dis. Regardez d'abord eh, le Sénégal sur l'ensemble, eh, sur le plan politique. Le Sénégal a beaucoup plus d'ouverture. Moi, je le dis. C'est vrai que l'honnêteté intellectuelle m'amène à le dire. Oui. A beaucoup plus d'ouverture que les autres, un. Hein. Et puis de deux, si vous voyez au niveau euh, de, au niveau de l'exercice même euh, du, du, du droit. Quand je dis droit, je l'appelle avec grand D. Oui. À l'exercice du droit, euh, on a l'impression que les Sénégalais sont beaucoup plus en avance par rapport aux autres. Et cela s'est traduit, bien entendu, par les, le nombre de femmes au niveau des prises de décision. Vous n'allez pas me dire que c'est par hasard. Et quand on sait aussi que le Sénégal est un pays à 90% musulman, normalement, il serait beaucoup difficile que les femmes rentrent dans le, dans le gouvernement, dans, sur la scène politique. Mais il s'est fait, vous voyez, que par... que je ne sais pas, il s'est fait que tout est organisé et que l, les hommes, les Sénégalais ont encouragé depuis la base. Les jeunes, puis, filles, les jeunes filles, aller à l'école, à, à s'instruire, aller, aller poursuivre les études, les grandes études. Et vous ne pouvez pas être politicienne si vous n'avez pas un bagage intellectuel lourd. Donc toutes ces dames, toutes ces femmes que vous voyez eh, au niveau des postes de prise de décision au Sénégal, ne croyez pas qu'elles sont déposées là. Elles l'ont mérité. Elles ont mérité elles et elles je mérité. demande à l'Afrique, eh, à ce moment précis, de changer un tout petit peu de tactique, de prendre le cas du Sénégal, septième rang mondial, je et ne septième, dis pas septième rang africain, dans le septième rang mondial, mondial, ce n'est pas donné à n'importe qui, ce n'est pas donné à n'importe et pour ça, coup de chapeau au peuple sénégalais. Et donc, je demande, euh, je demande aux africains de faire un effort, pas seulement en nommant celles qui sont déjà là, mais en ayant une politique d'éducation qui encourage nos jeunes filles, nos jeunes sœurs, nos filles à aller à l'école, pas pour s'arrêter, pas pour avoir le, le diplôme C, hein, comme les Ivoiriens le disent, pas pour avoir le c diplôme C, mais pour avoir des diplômes universitaires. Hein. Pour comme ça, nous allons multiplier l'exemple du Sénégal à travers l'Afrique. Le, 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 Et ça, je, je dis que ça c'est une bonne nouvelle. Euh, merci, merci, merci fin. beaucoup, monsieur Yves. Donc, euh, de l'Afrique de l'Ouest, on va aller à l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, comme vous le savez très mm -hmm. bien, est très menacée. Euh, au Congo, il y, des, il y a des fractions qui sont là. Il y a la guerre qui est au Congo. En Afrique centrale, où la guerre vient de, euh, de, 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 de se terminer il n'y a pas très longtemps, il y a lieu de rassembler tous les acteurs politiques euh, de l'Afrique centrale afin de pouvoir organiser des élections à venir. Mais pour l'instant, il y a euh, la, euh, Catherine qui est nommée comme euh, président intérimaire et qui doit travailler avec tous les, part les partis politiques afin de pouvoir faire un référendum. Et ce référendum, ça n'a pas été facile, mais je pense qu'hier, tout près, ils étaient en mesure de pouvoir s'asseoir sur une même table, de discuter et de pouvoir venir avec quelque chose quelque chose que les peuples pouvaient accepter. Et qu'est-ce que tu penses de ça Vous parlez du, de, de la République euh, démocratique du, de du Congo. Du, la République démocratique du Congo, voisin euh, avec la Centrafrique. Je parle oh. présentement de la Centrafrique. Là okay. Où... OK, voilà, je vous comprends. Okay. Euh, vous savez, je dis toujours que le pouvoir appartient au peuple. Oui. Et au même moment, euh, s'il y a une décision importante à prendre et que nous, ou du moins si les acteurs politiques mmh. n'arrivent pas à s'entendre, il revient au peuple de les départager. De l Donc la question de réconciliation ou bien de d'associer l'ensemble des acteurs politiques de l'Afrique de la République de centrafricaine ou du moins de la région là, moi je mmh. parlons, moi, de je la veux la parler de la, oui. de la région le, le... voilà de la République centrafricaine. Mmh. Euh, je pense que c'est une très bonne idée sur certains sujets clés pour qu'on ne dise pas que telle personne qui a la chance d'être au pouvoir ou bien d'avoir l'autorité le, sur mmh. les autres mmh. a pu rédiger le test tailler le test mmh. à son image pour lui faciliter les choses donc on laisse à une partie à une part, à une tierce partie hein, l'anglais d'inter Paris à une tierce partie de de de, 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 de venir avec un truc d'une manière plus générale et comme ça le peuple qui est souverain, le peuple qui donne le, 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 la souveraineté ou bien le pouvoir, eh, qui lègue son pouvoir à nous autres citoyens, le peuple va se penser, va décider si ce qu'on lui propose lui convient. Si ça lui convient, le peuple vote et se dit, selon le euh, référendum dit oui, nous avons adopté ceci et les acteurs politiciens sont obligés. Sont tenus de respecter. Je pense que c'est ce que l'Afrique devrait plutôt faire, et plutôt que de laisser eh, un groupe de personnes choisies par un président qui est déjà là pour dire qu'on est en train de rédiger une constitution bien on est en train de modifier une constitution. La constitution ou les décisions importantes appartiennent au peuple et c'est au peuple de décider. Par exemple, nos frères centrafricains ont fini par comprendre que la guerre ne peut pas résoudre leurs problèmes. Absolument. Absolument. Que c'est en s'asseyant autour d'une table en apportant tout un chacun d'eux leurs idées, leurs points de vue qui peuvent bâtir leur nation. Ce n'est pas avec la guerre. Donc cette idée de référendum pour amener l'ensemble des acteurs politiques et centrafricains, moi je trouve que c'est une idée, une très bonne idée, et je les encourage. Eh, que cette, cette présidente par intérim qui doit organiser ce référendum, qu'elle ne se décourage pas. Je sais qu'il y aura des obstacles, qu'il y aura des gens pour la distraire de ce qu'elle fait, mais qu'elle persiste, qu'elle continue pour que le peuple centrafricain puisse retrouver cette paix dont il a besoin. Absolument, parce que pour pouvoir même euh, faire cette réunion, euh, rassembler toutes les parties de l'opposition et des partis au pouvoir, d'abord, euh, elle avait été critiquée par pas mal de partis pour dire que, bon, euh, le nombre de, de tel ou tel parti euh, dans, dans, dans le gouvernement actuel n'était pas d'abord euh, légal ou bien n'était pas d'abord euh, bien fait. Donc, on l'avait d'abord demandé de tout faire pour essayer de revoir le gouvernement, l'ossature du gouvernement, afin de pouvoir équilibrer, que tout, c'était devenu comme une partage de gâteaux, que toutes les parties soient représentées dans le gouvernement pour pouvoir s'asseoir sur une même table et de discuter. La plus grande euh, surprise est venue d'un chef d'opposition, dont je vais te dire Joseph Bandougou, il est le président du Parti des Mouvements Démocratiques. Il a déclaré ceci la rencontre a permis d'élire des nouveaux membres. Des nouveaux membres qui sont censés diriger le pays et que personne n'a perdu, c'est le pays qui a gagné. Et, 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 et cette phrase a, a surpris tout un chacun parce qu'il était censé être l'opposant farouche. L'opposant farouche, censé être, prendre la place au cas où il y aura des élections, être le président. Personne n'avait cru d'abord qu'il serait en mesure même de venir pour s'asseoir et discuter, mais qu'ils viennent s'asseoir et discuter et à la sortie de la réunion, qu'il qu 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 dit ce que je viens de lire tout de suite, ça a vraiment surpris tout un chacun. Donc ce que nous allons faire, nous allons vraiment souhaiter une très bonne chance à mm -hmm. la Centrafrique, parce que la Centrafrique a beaucoup souffert avec les guerres et tout ce qui okay. s'ensuit. Donc je pense que vraiment l'heure a sonné pour l'Afrique de mettre les querelles intestines, les guerres qui nous ruinent, et qu'on se concentre sur le développement de nos pays et qu'on se concentre sur créer des emplois pour, pour nos, nos, nos citoyens afin que l'Afrique la puisse avancer. Vous ne voyez pas que quand je disais tantôt pour les élections à travers l'Afrique que les, les partis euh, que toutes les parties en présence mm -hmm. aient un langage D'apaisement, un langage d'amour. Vous voyez déjà que la seule déclaration de ce chef charismatique de l'opposition centrafricaine a tout changé. Exactement. Ça a tout changé. Ça a calmé tout le monde. Vous avez dit que beaucoup ont été surpris de l'entendre faire cette déclaration. Vous voyez déjà Ça a un effet sur le peuple. Et si les gens voulaient faire euh, des, 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 des brouhaha, ça s'arrête là. On dira que, mais que finalement, on doit s'unir, on doit s'entendre. Et ça, c'est ce que j'appelle à tous les, les chefs des partis politiques en Afrique. Quand il y a une vérité générale, il faut la dire, pour apaiser les gens. Je pense que c'est la seule manière où on pourra y avancer, et c'est la seule manière où on pourra... Et vivre en paix et en harmonie, voilà. et je pense qu'il l'a fait et euh, ça a été vraiment apprécié parce que dans pas mal de journaux, dans pas mal de revues, on est fait que parler de sa ah. déclaration et qui n'était pas quelque chose de vraiment grandiose, mais qui était grandiose à la, à la fois. Parce Vous que, voyez pas que ça l'a élevé? On, on ne s'attendait pas, à, on attendait, mais on ne l'attendait pas sur ce point là. Sur ce point là. <laughs> et Donc, ça l'a élevé, ça l'a élevé, ça l'a élevé de. Du nouveau nouvelle, je ne sais plus, hein, ça l'a élevé. Donc on ne pourrait que souhaiter une très bonne chance à la République centrafricaine. Maintenant, ouais. nous allons continuer avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a connu l'apartheid, l'Afrique du Sud de Nixon Mandela, encore est confrontée à un autre problème. L'Organisation mondiale, euh, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies s'inquiète des euh, de violences xénophobes en Afrique du Sud. Plus de 5000 je dis, hein, mm -hmm. plus de 5 étrangers surtout des demandeurs d'asile et réfugiés africains ont été déplacés par les violences selon le Haut-Commissariat des Nations Unies. Qu'est-ce que tu penses de ce nombre vraiment élevé de réfugiés et des réfugiés qui sont là déjà qui ont subi des guerres de gauche à droite et qui sont venus chercher refuge en Afrique du Sud et qui se retrouvent encore cette une fois de plus en Afrique du Sud à de telles situations. Vous savez, ça me fait ça me fait pitié. Ça me fait beaucoup pitié parce que si vous avez remarqué, quand vous, vous parlez, j'avais la tête un peu baissée parce que j'avais une certaine émotion. J'avais une certaine émotion parce que je n'arrive pas à croire et je n'arrive pas à comprendre comment un peuple qui a suivi l'apartheid ne puisse pas comprendre ce que c'est. Vous comprenez Et quand je vois que ces Sud-Africains, ces Sud-Africains en majorité noire, qui se lèvent contre des Africains, je ne dis pas des étrangers d'autres continents, oui, oui. des, des africains, africains, de leurs oui. frères africains, sous prétexte qu'ils ne sont pas Sud-Africains, alors que ceux-là font des travaux que les Sud-Africains ne font pas. Ça, on ne peut pas se tromper. Je ne suis pas en Afrique du Sud, oui, oui. mais je sais que généralement, ceux-là qu'on poursuit font des travaux que les Sud-Africains ne veulent pas faire. Nous, avons, nous connaissons les cas. Quand quelque chose ne marche pas, on se retourne contre l'étranger. Comme quoi, c'est l'étranger qui est la source des problèmes. problèmes. Oui. Mais ce qui est déplorable, c'est que c'est entre nous, Africains. Africains et ça se passe où Sur le continent africain. Et sur quelle place a, 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 Où Sur un territoire où ça, était, ça existait. Mais a, en ce temps, entre le blanc et le noir africain. Mais seulement je demande à nos frères sud-africains de comprendre une chose. Nous sommes tous africains, que nous soyons en Afrique du Sud, au Togo, au Sénégal, au Mali, partout, nous sommes africains. Et que s'il y a un problème, ce n'est pas nécessairement l'étranger qui cause le problème. Et je pense qu'il faut que leurs leaders politiques, que leurs leaders de communauté, que leurs leaders de quartier, que leurs leaders de village parlent à ces jeunes-là pour leur dire que tôt ou tard, nous sommes appelés à être un. Tôt ou tard. Oui. Nous sommes appelés à être un. Nous avons un dessein commun. Commun. Et si qu'aujourd'hui, nous commençons par nous attaquer les uns aux autres, c'est que demain, nous serons faibles. Et pour que nous soyons forts. Le Sud-Africain n'est pas différent du Togolais. Il est africain. Il est africain effectivement. Le Sud-Africain n'est pas différent du Congolais. Il est africain. Et cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. Je vous dis, cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. Elle date depuis des années, années 92-93. J'ai suivi un reportage sur RFI où un Congolais de l'ancienne République du Zahir oui. se plaignait. Qu'il était, il était menacé par ses frères africains du Sud-Afrique. Parce qu'il était un Congolais cherchant du travail sur le sol sud-africain. Mais est-ce que tu ne penses pas que le fait que hein, ce genre de phénomène qu'on le voit beaucoup plus souvent en Afrique du Sud, est-ce que tu penses que ça a quelque chose à voir l'apartheid qui a traumatisé la plupart des, des Sud-Africains dans le passé Parce que n'oublions pas que l'Afrique du Sud elle-même a traversé une très longue crise, des très longues longue, longue années, avec l'apartheid, avec euh, euh, l'emprisonnement de Mandela, avec l'oppression des Zoulous en Afrique du Sud. Et si ces mêmes, euh, ces, ces mêmes gens se retrouvent aujourd'hui au pouvoir, parce que le président sud-africain actuel, Jacob Zuma, il est Et Donc, est-ce que tu penses que c'est une manière pour les, les, ces noirs sud-africains qui se disent maintenant au pouvoir et qu'ils essayent de prendre une revanche sur l'histoire, ou bien... Que, 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 que peut-on dire de ces phénomènes Voilà, c'est un phénomène que, en toute honnêteté, c'est un phénomène que je n'arrive pas à expliquer. Si c'est le traumatisme, mm -hmm. ça devrait être envers ceux-là qui les avaient oppressés. Si c'est une revanche, ça devrait être envers ceux-là qui, qui les ont oppressés. Mais à la grande surprise, et contrairement à ce que tout le monde pouvait penser, c'est sur des innocents. Des innocents, pas n'importe quel innocent, d'ailleurs, des gens qui ont déjà fui la guerre, guerre au Congo, ailleurs. en Congo, en Centrafrique, voilà. un peu partout, au Rwanda, pour venir chercher refuge en Afrique, Afrique du Sud. Du sud. Ou l'Afrique du Sud que nous, nous considérons comme une puissance. Oui. comme enfin, Si je peux m'exprimer, comme une puissance économique, comme une puissance militaire, où vous pouvez vous réfugier et vous ne trouvez pas que ceux qui ont fui la guerre chez eux en Afrique centrale, je peux parler de Rwanda, de Congo, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, tout ce monde-là est déjà traumatisé. Et il arrive en Afrique du Sud et le traumatisme continue. Où sera alors le refuge Vous voyez, donc c'est pourquoi je demande, en toute honnêteté, je lance donc un appel euh, à toute la communauté sud-africaine de, si elle n'est pas encore saisie, si elle n'est ne, si pas averti de ce phénomène dans le pays, je demande à la communauté sud-africaine de, de vraiment sensibiliser les jeunes. Parce que moi, je dis que tout ça, là, ça, ça commence toujours par les jeunes. De chercher la source du problème. Est-ce que les réfugiés constituent une insécurité, une atteinte à la sûreté de l'État. Et si c'est ça, que ce soit des autorités gouvernementales qui prennent des mesures, mais pas des individus. Nous ne sommes pas dans une jungle où tout le monde peut faire ce qu'il veut. Ça deviendra un désordre absolu. Mais franchement, c'est un truc qui me fait mal au cœur. Que les gens fuient la guerre, fuient un danger pour se réfugier quelque part où ils pensent trouver la paix et que là aussi c'est le feu commun sous leurs Sur pieds. Le pied. ah, s'il vous plaît. Merci, 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 yeah. Steve, encore. Merci. Je souhaite encore beaucoup de chance à tout ce monde là et j'espère qu'un jour euh, la compréhension totale arrivera. Merci, merci beaucoup Sive, merci pour ton expertise. Euh, pour conclure avec l'Afrique, nous allons partir au Nigeria et euh, au Cameroun, au Nigeria où il y a eu des élections. Des élections présidentielles uh, qui se sont très bien passées. Mohamed Bahourou, uh, qui a, a gagné les élections, et son, son, Jonathan Goodluck, qui était le président actuel, a appelé, Jonathan, a appelé Mohamed Bahourou pour le saluer, lui remercier. Maintenant, Jonathan Bahourou a un, un, sa, son slogan, slogan c'était de lutter contre la corruption, mais aussi de lutter contre beaucoup Haram. Beaucoup de qui nous savons qui sévit dans la région, à frontière avec le Cameroun. À, que penses-tu Je pense que c'est trop, trop tôt de, de, de demander à un expert ou à quelqu'un. Que penses-tu de, de Mohamed Bahourou et de ce qu'il peut faire pour le Nigeria Voilà. Euh, moi, la chose que j'ai apprécié beaucoup mmh. euh, et que j'ai retenue mmh. de ces élections, mmh. c'est. Du fait que, pour une première fois en Afrique, un président Afrique, voilà, oui. oui. qui a perdu les élections a appelé le gagnant pour le remercier. Généralement, en Afrique, ça ne se fait pas. On C'est très rare. Mais on commence à les voir maintenant. C'est ce que je dis. Celui qui a perdu les élections a appelé l'autre. Qui les a organisés les a perdus. Hein. Ce oui, n'est oui. pas que... On a organisé, il a perdu. Non, il les a organisés lui-même. Oui, et oui. il les a perdus. Appeler le gagnant pour le remercier. Vraiment, on n'est pas habitué à ça, mais on oui. commence par voir. Euh, pour ça, oui. c'est un pas. Et j'apprécie les, les Nigériens pour ça. Et pour répondre à, à la question qu'est-ce que, qu que Boiré peut euh, faire, apporter, peut apporter. Qu'est-ce savez, apporter au Nigeria, voilà. Qu que savez, au Nigeria Surtout que le Nigeria est confronté à, à pas que, mal de problèmes. Voilà. Le Nigeria est confronté au problème de corruption. Le Nigeria est aussi confronté au euh, problème du Boko Haram qui sévit dans la région et qui ne fait que passer son temps à kidnapper les enfants. Enfin, je commence par le problème économique. Mmh. Eh, la corruption. Le Nigeria, eh, ce n'est pas aujourd'hui. Le Nigeria est reconnu sur ce plan. La corruption, c'est la règle. Et l'honnêteté. Mais, mais il va falloir qu'on change ça. Parce eh oui, que vraiment... Et l'honnêteté, c'est l'exception. Si Boiré a gagné les élections, c'est justement parce que les Nigériens sont arrivés à un point où ils ont reconnu que trop, c'est trop. Qu'il faut faire quelque chose. Et je te dis, pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas la première fois que Boiré est président. Il avait été président. Et durant. Son règne, oui. ce qu'il a le plus réussi, c'est la corruption. Il les a démantelés. Tous les réseaux de, de, de corruption, il a démantelé, il a lutté contre la corruption. Il a remis le Nigeria au moins à 80% sur les rails, au niveau de la corruption. Donc, donc on donc peut les... dire qu'il peut rééditer voilà, encore son l'exploit réd... qu'il avait fait avant. C'est justement pour ça que les Nigériens lui ont donné la chance. Il a réussi à le faire la première fois. On dit qui va réussir à le faire la seconde le fois. Deuxième fois oui. Voilà. Et puis de deux. C'est un type qui est un ancien militaire. Et ça, je le dis aujourd'hui devant les gens, le Nigeria a besoin d'un homme fort. Un homme de tenue pour que. Voilà. Un, pour... un homme de tenue en retraite. À la retraite. Ils ont besoin de ça. C'est un pays où s'il n'y a pas le bâton, les gens ne bougent pas. Les gens font ce qu'ils veulent. Donc. Et à un moment donné, ils ont fait l'expérience avec Goodlock, mais ils ont vu que non, c'était trop mou. Et justement, c'est une transition pour te dire que si beaucoup Haram a fait tout ce qu'il faisait, c'est justement parce que Boko Haram a su que celui-là, il ne fera rien. Le Nigeria, le budget militaire de Nigeria dépasse. Tout le budget de certains pays africains. Je dis bien le budget militaire. Je ne parle pas du budget du Nigeria. Hein. Le budget militaire du, du Nigeria, Niger. Nigeria oui. dépasse de loin beaucoup de pays africains. De tout le budget de beaucoup de pays africains. Un pays de plus de 800 000 soldats ne peut pas contenir beaucoup Haram au nord. Ça veut dire qu'il y a manifestement... Une non-volonté. Non il y a quelque chose qui ne marche, qu ne marche pas. pas. Ne marche Donc, pas, les ouais. Nigériens se sont dit Ah, le type là, il est trop mou, il ne peut pas faire ce travail. Donnons la chance à un ancien militaire, voici, ce qu'il peut faire. Et je te dis que, Boiré, pour ceux qui ne le savent pas, au moment où il y avait la guerre de Biafra, au Nigeria, il était le général qui était, à la, qui était en charge de la guerre de, du Biafra, 20, au, Nigeria. De, au Nigeria, de mettre de l'ordre. Et il a réussi à mettre. De Donc, Donc quelque part, les, les Nigériens ont fait l'histoire de. Ah, le type là au moment à ce moment précis de notre histoire, je pense qu'on va lui donner encore la chance pour pouvoir super réitérer. Mais les données sont différentes. Les données sont différentes. à guerre sûr. de Darfour, il n'y avait pas d'internet. Effectivement. Il n'y avait, avait pas d'internet. Il n'y avait pas d'internet. Donc il n'y avait pas de cell phone. La technologie n'était pas développée pour, au niveau de la communication. Aujourd'hui, les choses sont un peu, un peu beaucoup plus différente. Voyons si Boari peut réitérer l'espoir. L'espoir qu'il avait si, fait. Voilà. S'il dans... arrive à le réitérer, eh, il va mettre de l'ordre au niveau du nord du Nigeria, ce qui permettra à des pays comme le Cameroun, le Tchad, eh, de ne pas trop invest, eh, à envahir les autres pays eh, pour dire qu'ils sont en train de faire des choses. Bon, moi, je dis ça parce que, à l'heure actuelle, le Cameroun peut aller... Au, Pénétrer au Nigeria sous prétexte qu'ils sont en train de combattre hein? les autres, là, vous voyez. Donc, euh, je pense que. Moi, je lui donne le bénéfice de doute. Okay. Je vais voir ce qu'il va faire. Je pense Et... aussi qu'il est venu à un, moment, à un moment vraiment crucial de l'histoire voilà. du Nigeria parce que euh, beaucoup Haram, avec euh, l'aide du Tchad qui est, qui, qui est venu au nord du, du Nigeria pour aider à lutter contre Boko Haram, je pense que. Boko Haram serait beaucoup plus affaibli présentement. Voilà. voilà. tout. le chef leader de Boko Haram, il y, y a des informations qui n'ont encore confirmé, qui disent qu'il a été tué. Mais ce qui est sûr, euh, Boko Haram n'est plus comme le Boko Haram d'avant. Et il euh, y a juste de cela quelques jours, il y a une femme qui a, qui a échappé à Boko Haram mmh. et qui est venue, qui, qui a pu donner des détails de où elle était, de comment elle vivait et quel enfer elle vivait. Donc, est-ce que nous pourrions dire que dans les années à venir, dans un an, dans deux ans, on ne parlera plus de Boko Haram et que ça sera une autre organisation terroriste Ou bien est-ce que Boko Haram va-t-il toujours exister Surtout non. au nord du Nigeria. Non, non, non. Tu sais, je vais te dire une chose. Euh, je connais le Nigeria. Le Nigeria, c'est le Nigeria qui mettait de l'ordre en Sierra Leone, au Libéria. Et c'est que dans d'autres pays, je ne parle pas mmh. d'une section, mmh. de pays, de grands pays et que le Nigéria ne puisse pas mettre de l'ordre au nord du Nigéria, c'est qu'il y a eu manifestement une non-volonté. Mais je pense... Des leaders politiques de voilà, de, du Nigéria du à l'époque. À l'époque, même de la... Eh, Boko Haram, aujourd'hui, c'est parce que peut-être l'armée a commencé par changer de tactique. L'armée nigérienne a décidé de jouer son rôle. C'est parce que, justement, quand Boko Haram est arrivé, l'armée nigérienne n'a pas, pas joué son rôle. Il ne faut pas qu'on se leurre. Il ne faut pas qu'on reste eh, dans nos casernes et qu'on dise, oh, ils sont là à faire les choses. Est-ce que nous avons essayé de les confronter On n'a pas essayé. On est resté dans nos casernes, on crie qu'ils sont en train de faire ceci. Qui, quel, et quel bataillon, quelle division de l'armée nigérienne a essayé de faire quoi que ce soit Donc je pense qu'avec euh, le nouveau président, le nouveau président, les tactiques vont changer. Je pense que les tactiques vont changer. Et ça, il ne faut pas qu'on se hein. Dans peu de temps, on parlera de moins en de moins de cette organisation. De moins en moins. On l'espère, on l'espère, voilà. on l'espère vraiment, on l'espère beaucoup. Parce que beaucoup haram a semé pas mal de terreurs euh, au Nigeria et un peu partout, dans, un peu partout en Afrique d'ailleurs. Parce voilà. que euh, euh, avait été reporté à un moment donné que beaucoup Haram avait une de ses bases au Niger. Et même beaucoup Haram a aidé. Les, 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 -je, les, les revenants de la Libye pour lutter au nord du Mali. Donc, je pense qu'il euh, il serait vraiment nécessaire d'éradiquer beaucoup Aram pour que ça ne se propage pas, parce que si ça se propage, ça, ça risque de, de créer de sérieux problèmes dans la sous-région. Ça, ça c'est sûr. Et puis, vous savez, euh, toutes ces organisations euh, qui, se, qui, se, qui poussent en Afrique, euh, je vous dis, regardez par exemple ces organisations. Pour nourrir mm -hmm. une personne, déjà, c'est difficile. Mais vous comptez 6 000, 8 000, 10 000 personnes. Ce, ce, ce leader, son, euh, combien de champs il a pour nourrir ces hommes-là <laughs> Le carburant qu'on dans ces 4 x 4, dans ces euh, trucks-là, ce n'est pas seul, de l'eau. Ça, ça coûte Ça, ça coûte oui. C'est assez frais. Oui. Oui. Où est-ce qu'il a ramassé ces avions-là si on veut être honnête, c'est qu'on doit se dire qui a créé de toutes pièces ces organisations. Dès l'instant qu'on va retrouver qui a créé de toutes pièces ces organisations, on va lui demander s'il te plaît, pardon, aie pitié du peuple, aie pitié de la population et arrête cela. Je pense que voilà. je pense que ça pourra réduire les le problèmes ouais ok donc merci merci yvan encore plus une fois voilà. de plus merci euh, nous allons partir en europe nous allons partir en europe pour parler euh, euh, des, des responsables algériens euh, qui sont derrière les super attaques. Euh, les, les gouvernements français qui demande à l'Algérie de donner des explications parce qu'il y aurait eu des, 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 des cyberattaques contre le TV5 Monde. Le TV5 Monde a été d'une manière, si j'en le dire, espionné et il s'est trouvé que euh, après les investigations, c'est bien fondé que c'est l'Algérie, des responsables de l'Algérie qui sont derrière cette attaque. Quel but, vous pensez, que des responsables algériens ou bien des islamistes en Algérie voudront... Attaquer les cyber euh, euh, du TV5 Monde. Voilà, ouais. vous devez comprendre une chose. La télévision, la communication, la télévision est une force. Effectivement, c'est la clé du monde de nos jours. Voilà. La propagande, toute la propagande, oui, oui. c'est par les images, c'est par le son. Et quelque part, si les Africains, Algériens, peuvent réussir d'une manière électroniquement, à rentrer dans le système du de TV5, de TV5 Monde, ça veut dire qu'ils sont intelligents. Coup de chapeau, ça veut dire que les Français <laughs> doivent les utiliser. Hein? Mais c'est ce que nous voulons. Nous voulons des têtes pour émerger. Moi, je le dis, quelque part de mauvais, mais ça devient bon. Toutes ces têtes-là, on doit les utiliser pour de bonnes causes. Mais maintenant, les raisons pour lesquelles les responsables algériens peuvent participer, je ne sais pas. Je ne sais pas. Un responsable ou bien des individus, des citoyens algériens, si ce sont des citoyens algériens, je peux comprendre que peut-être euh, ils ont leur opinion, leur, euh, comment euh, leur sensibilité. Hmm? Oui. Mais le gouvernement, je ne comprends pas. Parce que le gouvernement ne peut pas créer un scandale diplomatique. Eh bien, ils ont aussi bien dit que c'est des responsables algériens. Quand on dit responsables algériens, le plus souvent, tout de suite, nous pensons à des gens qui sont peut-être dans le gouvernement voilà, algérien. Voilà, c'est ce que je dis. Le fait de dire des responsables algériens, c'est quelque chose qui est un peu très vague. Uh -huh. Ce n'est pas aussi bien défini comme on, les, on, on, on aurait voulu. Mais une chose est sûre il s'est trouvé que c'est après des investigations très bien fondées. Et que c'est des responsables algériens qui sont derrière les cyberattaques de TV5 Monde. Et maintenant, la France demande à l'Algérie de donner ces gens pour les traduire devant les barreaux français. Françaises. Alors qu'il y a déjà eu un, un contentieux entre la France et l'Algérie qui, qui, qui va de très longue date. Voilà, ce Donc, que je voudrais savoir, ce que je dis, c'est ceci. Est-ce que c'est un agent de service de renseignement? Quand on parle de responsable, il y a une grande différence. Parce que le terme responsable veut dire membre du gouvernement. Membre du gouvernement. Membre de l'administration. La Mais on ne le, le dit pas par son nom. On a préféré le dire des responsables algériens. C'est ce qui que sont je dis. Impliqués. Ça veut dire que quelqu'un mm -hmm. de l'administration. La oui. oui. Est-ce un agent de service de renseignement qui travaille pour l'administration la, est algérienne mm -hmm. Est-ce un responsable d'un parti politique. Ce qui est fort possible Ce qui est fort possible. Est-ce euh, un citoyen américain qu'ils appellent extrémiste Est-ce celui-là Donc, c'est un truc que les Français eux-mêmes euh, doivent essayer de, de claircir. Hum? Et ça, nous allons faire nos, nos recherches. Hein? Oui. Je, tu reviendras ici un jour, la prochaine fois, avec je, je, je les recherches. Je ne manquerai pas, je ne manquerai avec pas. Les et ne... pour qu'on puisse donner des détails. Parce que eh, ce, le mot responsable, moi, je prends ça comme gouvernement. Je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai voulu aussi chercher davantage, en savoir beaucoup plus. Mais malheureusement. On reviendra sur ça. On, 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 on y reviendra, on y reviendra. Voilà. Ah. mais, mais eh, si vraiment si ce sont des, des citoyens comme toi et moi des citoyens comme toi et moi oui. algériens là je vous dis qu'on peut les utiliser pour des, des, des causes nobles hmm. parce que c'est déjà que ça point. veut dire que c'est des gens qui vraiment ont la tête sur les épaules parce voilà. que pour non. pouvoir les non. faire il faut mais être vraiment il faut un, être intelligent il faut être intelligent manière d'une autre pour pouvoir faire parce que, les que ce faire. sont des choses que, que non vous devez avoir les passwords vous devez avoir les codes vous devez avoir tout ça là. et si ces gens-là ont réussi à avoir tout là on peut les utiliser pour de bonnes causes. Okay, nous allons continuer notre uh, retour perspective de la semaine. Uh, nous allons au Moyen-Orient, Moyen où il um, y a l'Irak, um, les Ramadis, les combattants font rage um, et les résistances s'organisent. Les forces de sécurité irakiennes et les djihadistes du groupe État islamique à Ramadi sont en train de se battre et sans merci. Et qui en souffre dans tout ça, c'est les populations qui sont les souffrants. Les populations sont en train d'aller dans tous les sens. Et que penses-tu de cette guerre interminable en Irak Et penses-tu réellement que dans les années à venir, si je peux le dire ainsi, qu'il y aura une solution à cette guerre d'Irak Parce qu'il faut-il encore le rappeler, la guerre d'Irak a commencé par l'invasion des, des, des Alliés et des, des États-Unis en Irak, mais depuis lors jusqu'à de nos jours, il y a toujours eu des problèmes. En Irak et de nos jours il y a toujours ça continue toujours qu'à quand est-ce la fin penses-tu vraiment qu'un jour ce problème d'Irak sera quelque chose de résolu et que les Irakiens pourront vivre en harmonie et en paix cette question est, que est très, 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 très délicate mais je vais la poser comme ça je, je vais la répondre comme ça vous savez la seule solution la seule solution c'est de laisser l'Irak aux Irakiens. Mais écoutez, en laissant l'Irak aux Irakiens, ça risque de tourner au carnage. Parce que déjà, il y a déjà cette guerre ethnique qui est déjà en Irak, qui s'appelle les Sunnis, les chiites, qui s'appelle le kurdes, qui s'appelle... Donc, en laissant l'Irak aux Irakiens, penses-tu vraiment que cela sera la solution C'est la seule solution. Je m'explique. Vous voyez Si vous vous rappelez, si nous nous rappelons, Oudoumess, laisse que je vous donne l'histoire de... Je te donne l'histoire de choses. De l'Algérie. En 1986, il y avait eu les élections en Algérie, avec le fils. Le fils, la France a dit au fils « Allez aux élections, libres, démocratiques. » Ils sont partis. Le fils a remporté les élections. Oui. En plein dépouillement, la France autorise, la France ordonne de suspendre le dépouillement. Le, le, le dépouillement des élections. Et Il... de dissoudre le fils. Et qu'est-ce qui s'est passé La France a envoyé ses, ses gendarmes, sa légion là, et c'était du carnage. Les, le, les membres du fils se sont organisés, ont commencé par contre-attaquer. À un moment donné, la France a vu que ça n'allait pas. Et la France a dit, laissons les Algériens aux Algériens. La France rapidement a organisé un truc là, a mis quelqu'un à la tête comme président, et elle s'est repliée. Depuis que la France s'est retirée de l'Algérie, le fils n'a plus tué. La paix est revenue en Algérie. Puisque les Algériens se sont retrouvés entre eux, vont-ils s'entretuer Et jusqu'à quand D'accord, mais le cas de l'Algérie et puis le cas de J'arrive. J'arrive. Mm -hmm. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la présence étrangère a permis à certains groupes d'être, à un groupe d'être suffisamment fort et de dominer l'autre groupe. Si les forces, la présence étrangère quittait, les Irakiens vont se retrouver entre eux les Irakiens. Dès les toutes premières semaines, les deux premières semaines, les premiers mois, ils vont s'entretuer. À un moment donné, tu sais ce qui va se passer Ils vont se dire finalement. Ils vont que... se dire non. Contre qui nous nous battons Et là, là où ils se sont arrêtés, ils vont déterminer les frontières là. Tel est le pays, tel est le pays. Et la paix va revenir. Mais tant qu'il y a toujours une certaine présence étrangère, elle soutiendra toujours un groupe. Et quand elle soutiendra un groupe, le second groupe va se constituer en opposition. Et la guerre continuera. Moi. Si les politiciens du monde me demandent mon avis, c'est ce que je leur donnerai comme recette. Laissez-les. Dès le début, ça sera comme un carnage. Mais, après, ils vont se retrouver. Ils vont se, se ressaisir. Si, je non. pense que c'est la solution. C'est la ce solution. Que je les... te donne un exemple, encore une fois. Le Libéria a fait la guerre. Ils se sont entretués. Aujourd'hui, quand vous allez au Libéria, vous parlez de guerre, ils vont vous chasser. Ils vont... Ils vont vous chasser. C'est parce que qui leur a dit d'arrêter Ceux qui sont arrivés à un moment donné ils se sont dit non. Contre qui nous faisons cette guerre Qui souffre C'est eux qui souffrent. Et je vous dis que toutes les guerres du monde, c'est quelqu'un de l'extérieur qui pousse un peuple. Si la personne qui pousse cesse de pousser, il n'y aura pas de guerre, je vous dis. Il n'y aura pas de guerre. Il n'y a jamais eu une guerre sans que quelqu'un a poussé. Ça, c'est vrai. Ça, vrai. Ça, Donc, vrai. si aujourd'hui, les gens quittent, tout le monde se, se retire. Quand je dis se retirer, c'est se retirer. Ce n'est pas dire que se retirer, et on a des gens ici qu'on appelle conseiller, quoi, et non, vous vous retirez. Pur et simple. Voilà. Merci, merci, merci Yves, merci. Euh, nous continuons avec euh, notre rétro. Euh, on... On a appelé le cessez-le-feu encore en Yémen, la Yémen euh, en Yémen où la guerre continue de faire rage, en Yémen. affrontement entre les, part les partisans du président Haïti en exil et les rebelles, ou tout bombardement de la coalition menée par l'Arabie saoudite pour anéantir cette rébellion. Face à cette inqui inquiétude, l'ONU appelle à est ce cessez-le-feu. Est-ce à quand est-ce la fin de toute cette guerre? qui continuent de détruire un président qui a déjà été en exil et qui a ses, ses partisans qui sont là en train de faire de la guerre pendant que ce président il n'est même pas dans ce pays à quand est-ce la fin que penses-tu va se passer présentement voilà <laughs> il y a une chose que je ne comprends pas où est l'Irak où est Yémen? où est l'Iran, où est Yémen où est l'Arabie Saoudite et l'Arabie Saoudite n'arrive pas à faire coalition pour aller en Irak. Et c'est en Yémen que l'Arabie Saoudite trouve que, bon, ici je peux m'imposer. Mais c'est la guerre des intérêts. Parce que peut-être que l'Arabie Saoudite a son intérêt en Yémen beaucoup plus qu'en Irak. Vous voyez, vous avez dit le mot, vous avez lâché le mot, intérêt. Donc, dès que l'intérêt n'existera pas, les gens vont quitter. Donc, je vous dis que moi, j'appelle ça comédie. Ça, c'est une comédie. Parce que quelle est la force d'un groupe que toute l'humanité, toutes les puissances de l'humanité cherchent à détruire et on fait six mois qu'on n'arrive pas à détruire. Quelle est la force de ce groupe Dites-moi Si réellement nous, nous sommes là pour dire que nous voulons la paix, l'ONU qui parle de paix, l'ONU se peut arrêter la, toute cette guerre-là. Et, com et comment Et comment Oui. Comment est-ce que la, les guerres se sont commencées L'ONU va l'arrêter. Et, et jusque-là, c'est comme si euh, euh, on se rendait de beaux discours. Moi, je suis fatigué de ces discours-là. On veut la paix, on veut la paix. Mais non. Vous voyez Je vous donne le cas de la Libye. L'ONU, en autorisant d'aller dégager Gaddafi, savait que l'ONU, savait que l'ONU créait une guerre. Vous voyez L'ONU, des fois, bon, je me demande si c'est le. Bon, je me demande où ils où sont vieux, où l'ONU est vieille. Peut-être que l'ONU est vieille qu'elle n'arrive plus à réfléchir. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça Parce qu'il qu y a des décisions, des fois, quand vous voyez, vous voyez que ces décisions portent en elles-mêmes des germes de violence, de guerre. <laughs> okay. Moi, je vous dis ça. Enfin, vous m'excusez de parler oui, comme oui, ça. Oui, oui, je, je, dis, je, je dis je veux... un langage très franc. C'est que. En demandant d'aller dégager Gaddafi, est-ce que l'ONU ne savait-elle pas que cet acte-là constituait en lui-même un danger Un danger. Souvent, qu'est-ce qu'on dit Nous allons faire, et après, on va arranger. C'est vraiment ça Merci, 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 Steve. Merci euh, très bien d'être venu euh, pour ce rétro. Euh, merci encore à nos auditeurs. Ça, ça, fait, ça, fait, ça conclut la fin de notre édition d'aujourd'hui. Inchallah, nous, nous nous retrouverons entre une, une prochaine fois, la semaine prochaine. Merci, merci. Merci.